Chers tous, ici nous sommes dans un centre expérimental qui est allié au centre scientifique de Runan et dont la superficie est de 150 hectares. Et dans ce champ est divisé en 6 zones. Donc ici nous sommes dans la zone du thé. Donc ça c'est le thé. Ce thé-là peut être transformé en thé vert, en thé fermenté, donc thé noir, ou bien en thé blanc. Donc, mais celui qui coûte plus cher, c'est le thé vert. Le thé vert coûte plus cher, pourquoi? Parce que c'est récolté à la main. Et on prend les trois dernières feuilles de la tige. Donc, selon une méthode bien précise de la règle. Par contre, d'autres sont récoltés à la machine et coûtent moins cher. Donc, c'est une expérience que nous partageons ici, que nous venons pour essayer un peu de booster les économies en Afrique. Je sais que le peuple djiboutien est un peuple travailleur, ils vont se mettre comme le peuple guinéen, le peuple du Congo Brazzaville, le peuple ivoirien, béninois, le peuple de la RDC, malien, sénégalais, et voilà quoi. Merci beaucoup.